Mathieu a publié une photo qui n'est pas passée inaperçue en story Instagram, ce lundi 9 janvier 2023. Le candidat de l'amour et dans le pré 2020 a fait sensation en prenant la pose dans le plus simple appareil. Il en a profité pour faire une petite annonce. L'année 2022 a été compliquée pour Mathieu. En septembre dernier, il a révélé qu'Alexandre et lui s'étaient séparés. Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu 2 ans extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique, expliquait-il notamment. Si est-il donc seul qu'il poursuit le projet de JPA? Et, en faisant des tests, le charmant brun, qui souffre de la maladie de Cadacil, a découvert qu'il souffrait d'une autre maladie génétique en fin d'année. Mathieu avait donc hâte que 2023 arrive. Une nouvelle année synonyme de changement pour lui. Le 1er janvier 2023, il a annoncé qu'il comptait partir en vadrouille quasiment 5 mois, tout en travaillant sur divers projets. CIST à Saint-Gervais, commune française située dans le département de la Haute-Savoie, que son périple a débuté chez l'une de ses amies.